fait vers le Marais. Alors déjà, pour la Japan Expo, donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Je n'ai pas fait énormément, mais c'est des trucs que je voulais. Et voilà, donc bon, la Japan Expo, ça fait déjà 3 ans maintenant, je crois. Non, 2 ans. Ouais, 2-3 ans, bref, que je n'y suis pas allée à cause du Covid, etc. Et franchement, c'était vraiment cool. Je pensais avoir hyper chaud, parce que je savais que bon, c'était le 14 juillet, je suis allée le jeudi. 14 juillet, donc déjà le 14 juillet. Ensuite, les vacances, le monde, il fait beau, c'était obligé qu'il y ait un monde pas possible, donc ça je le savais déjà. Mais franchement, je trouvais qu'ils avaient bien climatisé les lieux, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, je vais vous montrer, moi je suis pas restée longtemps parce que je suis pas restée longtemps parce que moi la foule et la chaleur en même temps, ça le fait pas trop. Donc voilà, j'ai acheté ce que je voulais, j'ai vu ce que je voulais et c'était vraiment vraiment cool, vraiment sympathique de retrouver cette ambiance. Donc franchement, je le recommande à tout le monde en fait d'y aller au moins une fois à cette convention. Le petit point négatif, c'est que maintenant, par rapport à avant, j'ai envie de vous dire qu'il y a plus de merchandising que de culture, de stand avec la culture vraiment japonaise. Donc bon, voilà, mais c'est pas grave. Où je suis allée, donc c'est le stand Teifu. Voilà, voilà, donc j'ai eu le sac, le grand sac Yarishin Beach Club, vraiment grand, et derrière en fait nous avons un manga que j'avais beaucoup aimé aussi. Voilà, hyper grand ce sac, un certain nombre d'achats, vous avez le droit à ceci, cela, voilà, voilà. Donc bien sûr le tome 4 le tome 4 de la série Indies World, voilà, franchement trop contente, c'est dans cette version. Donc j'ai acheté le tome 1 de la série Jungin Omegaverse Remnant. Pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Et le tome 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de la série Yarishin Beach Club de Ogeretsu Katanaka. Alors franchement, j'ai pris des séries en fait, des suites de séries où je ne les trouvais pas en ligne. Le tome 9 de Treat Me Gently Please. En fait, j'avais hésité à me prendre tous les autres tomes, mais bon, c'est pas grave. Le tome 2 de Twittering Bird Never Fly. Le tome 3 et il y avait aussi ce petit marque-page Bad Company. Voilà, donc c'est un marque-page magnétique assez joli, je trouve, mais voilà. Et il y avait le petit poster qu'on pouvait choisir. Là j'ai choisi le poster de Bad Company, mais franchement je vais pas le garder, donc voilà. Voilà pour Teifu. Ensuite je suis allée sur le stand de K-Book. Donc voilà, avec ce petit sac là. Très joli sac. Je me suis acheté donc le tome 5 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je me suis pris le tome 2 de la série Hellbound. J'avais adoré le tome 1, donc voilà, j'ai pris le tome 2. En plus, j'avais hésité à prendre, il y avait, c'était un album par rapport à Solo Leveling, là, avec le groupe de K-Pop The Boys. Il y a des photocards dedans, bon, j'ai hésité à le prendre, bon, pas exagéré en plus. Voilà, et on avait des petits marque-pages. Ensuite, je suis pas allée sur les autres stands, genre Akata, avec leurs marque-pages, leurs posters. Franchement, je suis pas allée sur d'autres stands, ça m'intéressait pas. Enfin, franchement, les histoires de goodies, etc., ça m'intéresse vraiment plus. Si je les prends, c'est si on me demande d'en prendre. Si je les prends, c'est pour faire des concours, mais franchement, ça ne m'intéresse plus parce que qu'est-ce que je vais faire avec, franchement. Et pour terminer, donc je suis passée sur le stand de Manga Story. Donc
je me suis pris ceci. Donc j'avais une version. J'en ai pris une autre. Je trouve ça trop cute. Donc je suis trop contente. La dernière fois, j'avais pas pu en fait m'acheter cette version-là. Il n'y en avait plus. Donc là, j'ai trouvé, c'est cool. Ensuite, je me suis pris des stylos. Voilà, c'est leur moon. Oh, c'est cute, j'adore le packaging. Les petits stylos tout cute, j'aime trop. Après, j'ai pas pris d'autres sceptres, etc. Parce que j'en ai assez en fait. Et j'ai craqué pour cette petite cute posquette de Chibi. Je suis trop contente. Elle est trop jolie. Donc, voilà. Trop contente. Toutes les stands, ils étaient vraiment beaux. Franchement, il y a des belles animations. Les stands, vachement beaux. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, je me suis acheté les petites friandises dans une petite épicerie. Ceci. Toujours les goûts que j'aime beaucoup là, avec le raisin. Mais là, c'est raisin, fraise et pomme. Petite boîte de poki à la fraise, toute simple. J'avais pris un Oero, je crois que je vous ai montré dans les petites vidéos faites. J'avais pris Oero à la rose, j'ai déjà mangé, c'était pas mal. J'ai vu ça, je me suis dit mais en fait il faut que j'achète parce que la dernière fois, quand je suis partie en Corée, j'avais acheté plein de paquets comme ça. Et beaucoup plus grands et beaucoup moins chers. On avait genre 5 paquets pour moins de 5€, alors que là un seul paquet, petit paquet comme ça, ça faisait 1,50€. Donc voilà, je les ai vus, j'ai dit oh, il faut absolument que je le prenne, parce que la dernière fois j'avais pas montré dans la vidéo vlog Corée, parce que ça avait tout été mangé en fait. Donc j'ai pris miel, les amandes miel butter là. J'en ai pris un yogurt et un autre à la fraise. Alors ensuite, j'ai acheté des buns, au poulet et des buns aux haricots rouges. J'ai trop hâte de goûter ça. J'ai acheté ça et j'ai acheté ça aussi. Comment ça s'appelle, des rice balls à la rose. Voilà. J'ai pris petit mogu melon. J'en ai pris deux. J'en ai pris un autre au litchi, mais je sais plus où je l'ai mis. Bref, voilà. J'ai terminé pour les petits achats via Japan Expo, épicerie japonaise, épicerie asiatique, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous retrouve très bientôt. Bye!